Attends. Et bonjour. Qu'est-ce que c'est cette bouche rose? Qu'est-ce que c'est cette gueule? T'as vu moi? Je n'ai pas coiffé, fait pas beau en plus aujourd'hui. Bon, mais salut du coup, hein. On vient avec la pluie vous raconter un petit peu notre vie, hein. Parce que j'ai pas fait de vidéo pour mercredi, donc je me suis dit, fait que je fasse un petit vlog, on va vous raconter un peu nos vies, comme vous aimez bien qu'on vous raconte nos vies. Donc voilà, tu sais, on est rentré ce week-end. Voilà, là, elle a fait péter dans la chambre, comme d'hab. Merci. T'as pas vu sous une vidéo, il y en a un qui a dit que t'étais quand, sous une vidéo TikTok, que quand t'étais dans ta voiture, tu t'enfermais pour péter ou je sais pas quoi, tu n'as pas vu ce commentaire? Ils te connaissent les gens. Donc là aujourd'hui j'ai un petit rendez-vous important, c'est Tissène qui m'amène, voilà, parce qu'elle est, elle est revenue. Normalement je récupère ma voiture cette semaine, j'ai juste à passer, elle est réparée, j'ai juste à passer le contrôle technique. Donc voilà, ça sent des pieds. Ouais, c'est vrai, t'as retiré plus. Tu pues les pieds. Non, je crois pas, non, les chaussures elles sont neuves, quel culot. C'est toi qui as les chaussures, ça fait 20 ans. Ça si ça tire le ventre. Attends. Ah, bah, ça sent les oignons même. Et du coup, c'est Tissène qui conduit parce qu'en plus, il faut que je vous raconte une histoire. Bon, j'ai fait une petite pause parce qu'on s'est raconté un petit truc secret. Je disais, Tissène me conduit aujourd'hui parce qu'il faut que je vous raconte un truc. Ça fait. Un mois ou deux mois que je suis tout le temps énervée. Tout le temps je suis énervée. T'as remarqué toi aussi? Ouais, bah, comme depuis que je suis née. Non, je suis tout le temps énervée. Que je suis moche. Je vois tout en noir, il y a tout en négatif. Du coup, je suis allée voir mon docteur et je lui ai dit que j'étais tout le temps énervée et tout. Qu'il me donne quelque chose pour me désénerver. Sauf qu'il m'a donné deux traitements et un truc pour dormir parce que je dors pas le soir. Je dors jamais, je suis insomniaque. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné un médicament pour dormir et il m'a dit je vais vous donner un petit truc pour la déprime. Il m'a dit ça à prendre deux le soir, enfin un de chaque le soir avant d'aller au lit. Donc le premier jour j'avais pas envie de prendre le cachet de la déprime parce que j'ai pas envie d'être dépendante de ça, je déteste ça. Donc j'ai pris que le cachet pour dormir parce que j'arrivais pas à dormir. Une demi-heure après je dis à Tissène, ah oh, j'ai pris mon cachet, je vais bien dormir et tout. Et franchement j'ai dormi comme un bébé, nickel. En plus je lui avais dit je veux pas un médicament qui m'en sucre le matin parce qu'une fois il y a longtemps je dormais pas, il m'avait donné un médicament qui m'en suquait. Et là nickel. Et hier soir, je me dis, attends, je vais prendre les deux. Parce que j'étais énervée hier, hein, quand je dis, attends, je vais prendre les deux. Sauf que le médicament pour la déprime, il fait effet pas avant 15 jours. J'ai le temps. J'ai le temps d'aller mieux, quoi. Et j'ai pris les deux hier soir, ce matin. Déjà, j'ai pas dormi de la nuit. T'as pas entendu? Je faisais que tourner dans le lit. Non. Moi, je faisais de retourner aussi à cause de mes soucis. Quand je veux pas trop pousser. Donc, on était bien comme ça. Et du coup, j'ai fait que. Ah, c'est déjà, rien que de bailler. Ah, j'ai le corps énervé. Bizarre dans le corps, rien que de bailler. C'est la sensation que je déteste ça. C'est une sensation en fait qu'on nous donne des tranquillisants, je crois. Peut-être de la morphine, je sais pas. Parce que ça me le fait à l'hôpital quand je vais à l'hôpital. T'as jamais fait quand t'es à l'hôpital? On te donne un médicament pour la douleur par perfusion et t'as le corps, il est bizarre, t'es énervé et tout du corps. T'as jamais eu ça? Je sais pas, j'ai été sportive une fois. Et bien moi, ça me fait cette sensation là. Dites-moi si ça vous fait cette sensation là. Vous avez le corps énervé, quand vous baillez, vous avez tout le corps bizarre et tout. Et bien moi ça me fait cette sensation là. Et depuis ce matin je me sens molle. Et je me sens énervée encore pire. Donc je pense que je vais arrêter le deuxième médicament. Je vais juste prendre notre pour dormir. Et je crois que la déprime elle passera avec le soleil peut-être, non? Ouais, le soleil va faire beau. Peut-être que aussi de rester enfermée tout le temps c'est chiant. Donc voilà ma petite histoire. Donc là on va à un rendez-vous. Et puis après on va faire quelques petites bricoles. Je drive à y chercher. Tu l'as fait? Ouais. Parce que j'en ai fait un quand? Samedi? Ouais. Je m'en suis mis pour 80 balles et là je m'en suis encore mis pour 20 balles. Pourquoi il te manquait des... Ah oui, pour les trucs de régime et tout? Non, ça, j'ai pris déjà les poulets et tout. Ah? Non, il me manquait des pois chiches, les champignons, les œufs, j'avais pas pris top, j'avais oublié. Pois chiches pour faire. J'ai vu une recette de pois chiches en purée pour mettre à vélo ici. Ça c'est bon ça. Et après, il me manquait des bricoles. Je voulais reprendre des fraises, il n'y en avait plus. Dommage parce que je voulais faire un fraisier. Ah ouais. Et j'ai pris la mascarpone et j'ai pas trouvé les fraises. Donc tant pis, j'ai pris la mascarpone et dès que je trouve les fraises, je prendrai les fraises.
il fait pas beau. Voilà. Et demain, normalement, il fait beau toute la semaine. Voilà. Bon, allez. Je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. On va pas parler pendant 3 heures. Hein. Ouais. Oh putain, je vais vraiment mettre sa tête. Oh, comme il faisait pas beau, j'avais pas envie de me laver les cheveux. Quelle horreur. On dirait tartine. Attendez, je reviens. Il faut que je vous raconte une histoire. Tyssen, hier, elle s'est pris un ronflon. De bon matin. Je l'ai réveillée en sursaut dans son lit. Bon, il était midi. Hein. Bon. Alors, en fait, le truc qui s'est passé, c'est que quand je suis rentrée... c'est quand que je suis sortie? Vendredi. Vendredi, je me suis démaquillée. Vous savez, vendredi, j'avais mes gros cils et tout. Et je me suis démaquillée. Mes cils préférés, là, les Huda Beauty. Et je me suis démaquillée. Je les ai posés sur ma coiffeuse comme je fais d'habitude. Donc, le samedi... Non, c'était dimanche. Le samedi, je ne suis pas sortie. Tyssen, elle est rentrée à la maison. Samedi soir, madame, elle a... tu passes tout droit. Ouais. Madame, le samedi soir, elle a parlé à ses copines sur ma coiffeuse. Elle m'a trifouillé la coiffeuse. Et je lui avais dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais rien. Oui, j'ai dit, tu fais rien. Tu es encore en train de me trifouiller mes produits. Et le dimanche matin, je m'assois sur ma coiffeuse pour m'épiler, me nettoyer la figure et tout. Et je regarde, il me manque un fossile. Mon fossile préféré de chez Huda Beauty, que j'ai payé 25 balles. Putain, j'ai dit, il me manque un cil. Du coup, je l'ai levé du lit. Ouais, tu m'as perdu le cil. T'as intérêt à me le trouver. Sinon, tu vas m'en repayer un. Elle disait, c'est pas moi. J'ai dit, si c'est toi qui t'es assis sur ma coiffeuse, c'est toi qui m'as perdu le fossile. J'ai fouillé partout. Parce que je me suis dit, peut-être avec le sèche-cheveux, quelqu'un s'est séché les cheveux, il s'est envolé. Ça m'arrive des fois, c'est rare, mais ça m'arrive. Mais quand il s'envole, il s'envole. On peut pas aller plus loin que sur la coiffeuse. Il n'y a rien. On peut même pas passer derrière. Après, j'ai cherché dans les tiroirs. Je me suis dit, peut-être qu'il est tombé dans un tiroir, dans le tiroir du bas. Vous savez, le tiroir qu'on tire là. Et j'ai cherché partout. J'ai vidé l'aspirateur. Je me suis dit, ce con, il a dû me l'aspirer parce qu'il a dû tomber par terre. Pas de fossile. Putain, et je gueulais. J'ai dit, tu vas prendre ta carte bleue, tu vas aller me payer des fossiles. Pour la peine. Et elle me dit quoi? T'as qu'à mettre un de chaque. T'as qu'à mettre un, c'est-à-dire celui-là, et un Huda Beauty. Le Huda Beauty, il fait trois fois celui-là. Et ouais, c'est ça, ouais. Et puis, je sais pas, une heure après, je regarde, il regardait pas lui. Une heure après, je sais pas, je regarde dans un tiroir qui a rien à voir avec la coiffeuse, qui est à l'opposé de la coiffeuse. Un tiroir fermé, qui était entrouvert. Je regarde, le fossile, il était accroché dans le bandeau qu'on met autour de la tête. Et j'ai pas compris pourquoi, parce que ce bandeau, je l'ai pas touché, ça fait au moins un mois que je l'ai pas mis. Si c'est elle me dit qu'elle a pas mis, mais je soupçonne qu'elle est mis sans me le dire. Je l'ai pas mis. Et si c'est pas toi, c'est Chahine. C'est Chahine. Ou papa. C'est un bandeau rose avec un gros nœud rose. Non, parce que il était accroché à ce bandeau dans un tiroir. Et rien qu'en regardant comme ça, j'ai vu le fossile. J'ai pas compris là. J'ai vraiment pas compris comment ça se fait que le fossile il a atterri là-dedans, dans un tiroir, alors que personne n'a touché ce tiroir. J'ai rien compris là. Mais non, parce qu'en plus ce tiroir, c'est le tiroir où je mets les serviettes des cheveux et tout. Donc je le touche presque, les cotons-tiges. Ou alors Chahine, quand il attrapait un coton-tige, il avait le cil accroché à sa manche. Ouais, peut-être. Il a tombé dedans. Ouais, je sais pas. Parce que j'ai des cotons-tiges là-dedans. Ah, j'ai le ventre qui brûle. J'ai faim. Moi aussi j'ai faim. T'as mangé quoi? Une banane. Ah, j'ai déjeuné, mais j'ai faim. Ah, moi je mange une banane. Ouais. C'est la petite anecdote du jour. Bon allez, on n'a pas fini la route, on a encore 3 quarts d'heure de route. Du coup, on s'arrête au drive et Tyssen, elle a honte. Elle a honte, elle a dit que son coffre de sa voiture, il était trop sale. Enfin, il était trop sale, il y a trop de bordel. Par contre, ton téléphone, il est crado, je sais pas si ah, tu ouais, vois. Attendez, je suis. Mais c'est pareil. Non, je suis plus belle. Oh, plus belle. Il arrive ou pas le mec? Non, pas. Oh, regarde toutes tes poches. On a oublié de ramener les poches. En plus, on est dégoûté là. Putain. En plus, il y en avait beaucoup des poches. Là, il m'aurait rendu au moins 2 euros. Oh. Et là, ce soir, on va se faire un petit pot-au-feu. On a acheté la joue de bœuf pour se faire un petit pot-au-feu. Un petit pot-au-feu. Hein, on va se faire un petit pot-au-feu ce soir. Elle est contente. Elle mange le pot-au-feu quand elle est chez sa mère, celle-là. J'adore. Mmh. Rien que de penser à la viande. Mmh. Même les légumes. Mais en plus, on peut manger tout. Mmh, allez, c'est bon, j'arrête de parler de ça. Bon, on est arrivé. J'ai désinfecté tous les légumes, là, et les fruits. J'ai mis du désinfectant. Vous savez que j'ai acheté la bouteille, là, chez Shein.
Et je vais laisser tremper parce que là, c'est trop plein. Tisselle va me vider le lave-vaisselle et me le remplir. Un petit non, pas quand même maintenant. C'est moi qui fais ça. C'est un bien faire ça d'habitude. Hein. Non, j'aime pas. Et nous avons acheté du jarret de bœuf et de la joue de bœuf pour faire un petit pot-au-feu avec les légumes. Tisselle, il faut vider le lave-vaisselle un petit peu. Tu vas jouer à quoi? Jeu. Hein? Regardez tout ce qu'il y a là et tout ce qu'il y a là. En fait, on avait oublié de faire le lave-vaisselle. Du coup, on a accumulé la vaisselle d'hier soir. J'ai complètement zappé. J'ai mis ma viande après cuire là dans le cookie parce que sinon j'ai peur qu'elle soit crue. Et là j'ai fait mes. J'ai coupé mes légumes. Donc j'ai mis pommes de terre, carottes, poireaux, oignons, navets et les pois chiches. Voilà. Et après j'ai mis aussi un petit peu de sauce tomate, du sel, du poivre et des herbes. Je vais voir lesquels, je crois du thym ou ouais, du thym. Et qu'est-ce que j'y mets après? Et le magie. Le magie, le bouillon de légumes. C'est tout. Je ne mets pas d'huile, je ne mets rien du tout, moi. Parce que déjà, la viande, elle va ressortir son huile. Donc voilà. Voilà, donc ce soir, ça sera pot au feu pour Bibi et Tisha. Voilà. Ah oui, et Chachouna qui ne mange pas de viande, à midi, je lui ai fait un tagine de pommes de terre olive. Voilà, donc comme je l'avais fait dans le cookie et que j'en ai eu besoin, je l'ai mis là en attendant. Donc ce soir, ça, c'est pour Chachouna, pomme de terre olive, épicée à la marocaine. Voilà. On avance, elle a vidé le lave-vaisselle, mais par contre, elle a pas rempli. Ouais, ouais, elle a fait la moitié du travail. Elle est partie s'asseoir regarder la télé. Oui, c'est de toi que je parle. Ouais. C'est que j'ai dit, t'as fait la moitié, oui. Il faut que je vous raconte mon histoire de mes fossiles. En fait, mes fossiles, d'habitude, ils sont là, ici. Ils sont tous ici, là, voilà. Ils sont là, mes deux fossiles préférés, parce que je les ai enlevés et je les ai laissés là. Donc, ils étaient là. Tisselle, elle s'assoit toujours là et me trifouille par-ci, par-là. Donc là, ils n'y étaient plus. Donc là, maintenant, je les ai rangés là, comme ça. Personne ne me les trifouille. Alors en fait, je l'ai retrouvé. Ma coiffeuse est là. Je les ai retrouvés là, dans ce tiroir, accroché à ça. Alors que ce tiroir, je m'en sers jamais. Voilà, c'est si, il y a mes cotons-tiges au fond, j'avoue, il y a mes cotons-tiges. Mais j'ai pas compris. Je l'ai retrouvé accroché à ça. Personne s'en est servi de ça. Donc, de là à là, quand même. Ouais. Bon, il y a du fond de teint dessus, ça part pas. Donc... Il n'est pas sale, c'est du fond de teint. Mais j'ai pas compris. Donc, en fait, du coup, je les ai mis là au fond. Il faudrait que je me trouve une petite boîte pour les mettre dedans. Regardez, elle est venue avec sa trousse de toilette. Elle se maquille là. Elle va me perdre mes boucles d'oreilles. Je suis toujours obligée de compter mes boucles d'oreilles si elle ne me les perd pas. Non, c'est bon, ils y sont tous. Donc, voilà la petite blagounette de mes fossiles. Mais... Faut que j'y range dans une boîte parce que même quand on se sèche les cheveux là, et ben ça vole. Non, il faut que je trouve un petit système là. Il faut que je trouve une petite boîte où je les range à l'intérieur. Comme ça, en plus, ils prennent pas de poussière ni rien. Et je suis tranquille. Je suis morte de rire. Ah, j'en peux plus de ce fou rire que je viens de m'attraper. Bon, faites pas gaffe, j'ai un bouton, il est là depuis la dernière fois. Hein, toujours. J'étais au téléphone avec ma mère. Et en fait, son mari il se laisse pousser les cheveux. Il essaie de se faire une petite queue de cheval. Et alors elle m'appelle et tout, on parle. Et puis en fait, elle me dit, attends, bébé, il a une question sérieuse. Enfin, il a une question à te poser. Je lui dis, vas-y. Et vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, Jessica, tu crois que si je mets un petit plomb de 100 grammes derrière la queue de cheval pendu, tu crois que ça va pousser plus vite les cheveux? Je dis, non, mais il rigole ou c'est une question sérieuse? Non, mais je vous promets, c'était une question sérieuse. Il m'a demandé s'il mettait un poids. Vous savez les plombs là, les plombs, je sais pas, les pêcheurs qui doivent connaître. Les plombs de pêche là, où c'est des plombs, je sais pas pourquoi faire. S'il mettait ça derrière sa queue de cheval pendue, si en fait en tirant, si ça allait faire pousser les cheveux. Oh là là là, j'en peux plus. Je crois que j'ai rigolé pendant une heure. Donc du coup, ben, je lui ai dit qu'il avait qu'à mettre une enclume, ça poussera plus vite. Ah là là, bon, mon pot de feu, il est prêt, je vais ouvrir.
Bon, ça y est, j'ai mangé le pot-au-feu. J'ai complètement oublié de vous le montrer. C'est pas grave, c'est un pot-au-feu. Je suis fatiguée, un truc de malade. Franchement, le médicament, là, il m'a rendu KO. Oh, il m'a rendu KO. Je vous le dis, il m'a rendu KO. Je prends... Ils m'ont mis l'homme cinéma à fond. Ça s'est calmé. Ils m'ont mis l'homme cinéma à fond. Ouais, non, franchement, je crois que ce soir, je le prends pas. Je lui ai dit j'avais une petite déprime, il m'a donné un truc, laisse tomber quoi. Oh, il m'a, soi-disant ça faisait effet dans 15 jours, ouais c'est ça ouais. Ça a déjà fait effet. Enfin, ça a fait effet. Ça m'a mis dans un drôle d'état. Franchement, et là je suis fatiguée. J'en bave. Je suis fatiguée. Truc de malade. Ah moi j'aime pas les trucs comme ça là, tout ce qui est truc pour l'anxiété et tout ça, je peux pas. Donc j'ai peur de prendre des trucs comme ça, mais j'ai pas envie de rester comme ça, négative et tout ça. Ça fait des jours et des jours que je suis comme ça et j'en ai marre. Donc c'est pour ça que j'ai demandé quelque chose, mais bon. On verra. Bon, je vais me démaquiller, je vais aller me coucher, j'en peux plus. Oh, j'en peux plus. Pourtant, ouais, non, j'ai pas dormi cette nuit. J'ai pas dormi. Il m'a énervé plus qu'autre chose, le truc. Bon, ben je vous laisse là. La dernière fois, je vous ai dit que le vlog, il était hyper nul et tout ça. Et puis finalement, vous m'avez dit non, c'est trop bien, même si tu racontes pas ta vie, même si tu racontes rien et tout. C'est trop bien, fais-nous des vlogs. Donc, ben, je vous ai fait un autre petit vlog. Même que c'est un vlog de rien du tout, un vlog pourri, c'est pas grave. Je vous ai un petit peu raconté ma vie comme si on était tous ensemble, parce qu'il n'y a pas que des filles ici. Et puis voilà, je vous ai raconté des petites anecdotes. Et puis vous avez passé un petit moment avec moi, on va dire. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vais essayer de faire des petits vlogs comme ça de temps en temps. Parce que je sais que vous aimez bien. Voilà. Ouais. Non, parce que j'allais dire, sur Snap aussi, je vous montre plein de choses sur Snap, sur Instagram, etc. Donc, ouais. Il faut me suivre là-bas aussi. Bon allez, je suis fatiguée. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt. Hein. Bye bye.